Des photographies, des livres, des jeux ou encore des pièces d'avion, la brocante aéronautique de Champagne regorge de pièces insolites. Organisée par l'association Saint-Dizier Aéro Rétro et en partenariat avec la BA 113, cet événement est incontournable pour les passionnés d'aviation. Le but, c'est de mettre Saint-Dizier sur le devant de la scène. Et cette année, donc, de nouveau, on est sur le devant de la scène parce qu'on est le premier événement de la saison aéronautique en France. Après avoir été suspendu à cause de la crise sanitaire, la brocante aéronautique de Champagne revient pour sa 12e édition. En tout, 18 exposants venus de tout l'Hexagone sont présents pour faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de l'aviation. Pourquoi vous êtes venu ici ? Pour exposer un peu ma collection et vendre le surplus que j'ai à la maison. Et c'est quoi du coup comme collection que vous avez ? Je fais uniquement les écussons portés sur les pilotes de chasse. Je suis un fanat d'aviation et puis on m'a proposé cette brocante et... pour me débarrasser un peu de tout un stock d'objets, ça pourrait faire un peu de ménage, voilà. Du ménage pour les uns fait le bonheur des autres. Les passionnés d'aviation viennent de loin pour dénicher la perle rare. Il y a tout qui nous intéresse ici, hein, donc j'essaie plutôt de me retenir, c'est plutôt ça. Cette brocante n'est pas réservée qu'aux collectionneurs. En tout, 2000 personnes sont attendues tout le week-end à l'aéroclub Saint-Dizier-Robinson.